Toi qui guéris la dépression, toi qui guéris l'anxiété, toi qui guéris les maladies visibles, toi qui guéris les maladies invisibles, nous nous approchons vers toi parce que par ta main puissante, par ta main révélatrice, par ta main guérissante, tu es capable de toucher là où les médecins ne peuvent pas toucher. Tu es capable de guérir, alléluia, là où les médecins sont limités. Toi qui es le grand guérisseur par excellence, nous
t'implorons ce matin. Seigneur Dieu, nous espérons. Nous t'invoquons ce matin. Nous espérons en toi, nous croyons en toi, Seigneur. Crions ton nom ce matin. Et gloire. Gloire, acclamez le roi des rois, acclamez le roi des rois, alléluia. Nous sentons la salle à la passe, alléluia. Nous sentons la salle à la passe, alléluia. Pour toucher au monde qui est malade dans le ventre, nous sentons la salle à la passe, nous sentons la salle à la passe. Pour au monde qui est malade dans le dos, nous sentons la salle à la passe, nous sentons la salle à la passe. La passe pour toucher, 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 la passe pour toucher. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône. Et ceux qui entraient dans le temple, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et prenant par la main droite, alléluia. Et prenant par la main droite, et il le fit lever. Au même instant, ses pieds et sa cheville devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Il se mit à marcher. Il rentra, eux, dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Louant Dieu. Alléluia. Il est la porte de la grâce. Homme boiteux de naissance, quand on est malade, c'est comme si... Quand on est malade, c'est comme si on est limité. Nous sommes limités pas seulement dans notre physique, mais nous sommes limités aussi même dans la façon les gens nous voient. Et quand nous ne sommes rien dans la vie, les gens nous voient d'une autre façon. Quand nous n'avons rien des fois dans la vie, c'est comme si des fois que nous n'avons pas d'identité. Vous voyez le texte assez bien mentionné, homme boiteux de naissance, mais on ne connaît pas son nom. Le fait qu'il était handicapé, Yoterelel Kokobe, le fait qu'il était handicapé, on n'arrive pas à identifier son nom dans le texte. Son nom, c'était homme boiteux de naissance. C'est comme si des fois, il y a des familles qui ont sorti. Il n'y a pas carré le nom, tu as supposé relever. C'est comme si des fois, il y a des quartiers qui ont sorti. C'est comme si il y a une identité, tu as supposé gagner. C'est comme si des fois, il y a des femmes qui ont sorti. C'est comme si tu n'as pas dû, monsieur Intel. C'est comme si tu n'as pas dû, madame Intel. Parce que vous n'avez pas d'identité. Homme boîte de naissance. Je ne sais pas combien de vous ce matin, combien de personnes ce matin qui n'ont pas d'identité. Mais avec Jésus, gain identité. Avec Jésus, gain identité. Avec Jésus, gain identité. Avec Jésus, gain identité. Avec Jésus, on gagne identité. Même quand les gens, mes frères et sœurs, ne te connaissent pas par ton nom, mais Dieu connaît ton identité. Homme boîte de naissance. C'est comme ça. On l'a appelé dans le texte. Depuis son enfance, celui-ci a connu des moments difficiles. Et vous savez, mes frères et sœurs, non pas seulement il connaît des moments difficiles, ça veut dire que c'était un homme qui n'a jamais marché. Cet homme n'a jamais marché dans sa vie. Alléluia. C'est ça que fait Matthieu. Lorsque je me guide des pieds pour me lever, pour me danser, pour mon Dieu, faut me danser, faut me sauter, pour mon Dieu.
parce que l'homme ça lui t'a fait boîte de naissance. C'est un privilège d'avoir mes deux pieds, c'est un privilège d'avoir mes deux mains, c'est un privilège d'avoir mes deux yeux, c'est un privilège d'être capable de parler, c'est un privilège d'être capable de chanter. Lorsqu'on dit me chanter, m'a chanté. Lorsqu'on dit me lever même, m'a levé même, parce que c'est un privilège. Parce que il y a des gens qui n'ont pas ce privilège. Lui, il était né ainsi et il n'avait pas non. Il n'avait pas non. Pour vous identifier, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Quand vous appelez dans un bureau, on vous demande votre nom. Votre nom, mais c'est quoi votre date de naissance? C'est pour vous arriver à identifier. Bon, des fois, si on ne vous demande pas votre nom, mais on vous demande c'est quoi votre numéro de téléphone. Non, pas seulement si on n'a pas de numéro de téléphone. Nous, et il y a les plus poussés dans certaines institutions, on vous demande c'est quoi votre numéro d'assurance sociale, monsieur. C'est juste pour vous identifier parce qu'il peut y avoir plusieurs Molières. Il peut y avoir plusieurs Molières. Quand vous regardez sur votre carte d'assurance maladie, vous allez voir donc votre, on est capable de dire, initial. Si moi c'est Molière Thémistocle, dans la carte d'assurance maladie, la marqué MT, ou après un petit chiffre à côté, le 04. Par contre, si vous avez marqué ça, peut être 05. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui ont les mêmes noms, hein, qui ont même notre famille avant. Donc, pour vous identifier, vous êtes obligé de date de naissance, vous êtes obligé de qui adresse, vous êtes obligé de qui mail, parce qu'il peut y avoir plusieurs gens qui ont les mêmes noms de famille que toi. Ce n'est pas pour sans raison, dans votre carte Ramki, ou après que non pas seulement, donc, non pas seulement, donc premier chiffre, non, non, avec prénom, et pour après un chiffre, beaucoup de ça veut dire que, donc même quand vous ne connaissez pas des chiffres, yo juste connaît nous pas de chiffres, pas de numéro de dossier, comme yo te connaît nous ça comme emboîté de naissance. Mais Jésus a vu en lui un homme qui marche sur ses deux pieds. Pendant que yo ouais son cocobé, Jésus ouais alléluia, son homme qui a marché, son homme qui a sauté. Pendant que yo ouais son cocobé, mais Jésus ouais alléluia, son homme qui guérit, qui a sauté de joie. Je ne sais pas si vous êtes malade ce matin, mais Dieu peut vous toucher. Dieu peut vous toucher. Et quelle que soit votre maladie, Dieu est là. Il peut vous guérir ce matin. Homme boiteux de naissance qui n'avait pas de nom, n'avait pas d'identité. Mais Jésus l'a connu par son nom. Pierre et Jean voyaient un homme cocobé, un homme boiteux, un homme handicapé. Et vous savez, dans le terme médical, sur le plan psychologie, on n'utilise pas ce terme. On n'utilise pas ce terme pour dire handicapé. Handicapé, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. En psychologie, il n'y a pas utilisé. Il n'y a pas utilisé handicapé. Qui t'aime utiliser? Donc, monde qui gagne donc capacité réduite à beau, à mobilité. Mobilité, capacité réduite. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'ils sont handicapés, c'est comme si ils réduisent à rien. Non, non, vous n'êtes pas handicapé. Si vous voyez en vous une femme handicapée, mais Dieu ne voit pas un homme handicapé. Dieu ne voit pas une femme handicapée. Dieu voit une guerrière. Dieu voit une guerrière. Dieu voit un enfant soldat. Un homme boiteux de naissance, c'est ce que apôtre Pierre et Jean a vu. Mais cependant, Dieu voit un héros. Un héros. Qu'attends-tu de Dieu? Cet homme était devant la porte de la belle. Écoutez ça bien. La porte, cette porte s'appelait la porte de la belle. Dans le texte, qu'est-ce qu'on dit? Dans le verset 2, donc, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la porte la belle. Cette porte, ce n'est pas n'importe qui pouvait passer devant. Vous savez? Dans le temple, il y a plusieurs portes. Il y a une porte pour des sacrificateurs, il y a une porte pour le peuple, donc comme moi-même en Samaria, et il y a une porte aussi pour des Lévites. Qui donc, ils mettaient devant la porte côté que vous connaissez, qui Pierre et Jean, les apôtres de Jésus-Christ, pour le passer. Et cette porte, qui ça te signifie? Porte la règle et la belle, mais dans la pensée du texte, en arrière du texte, cette porte signifie Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ça le dit? Je suis la porte, la porte, la porte, la porte. Mettez-vous à côté de la porte. Mettez-vous à côté de la porte. Souhaitez louer porte là ou pas qu'à guérir. Souhaitez louer porte là ou pas qu'à guérir. Faut qu'on à côté de là. Pas en arrière de la porte. Faut qu'on dans la porte là.
parce que c'est Jésus qui porte de la vie. Jésus est la porte de vie. Donc mes frères et sœurs, homme boiteux de naissance. Donc il trouve tous les jours. Tous les jours. Bon côté porte là. La belle porte qui signifie Jésus. Dans le temple, comme nous avons plusieurs portes. Porte pour son édrain. Porte pour sacrificateur. Et porte pour le peuple. Qui compte trouver où? Qui compte trouver où? Lorsque voit le temple à déchirer, Jésus ben nous accès, nous sommes même côté, sacrificateur. Nous sommes même côté son édrain. Alléluia. Pas de porte qui réserve à vous. Si maintenant vous choisissez pour être dans la porte côté peuple, là, côté mon fait n'importe ça, vous voulez, ou pas mettre au bon vrai porte là, ça c'est vous-même. Vous capable de rentrer, alléluia, dans la porte qui est Dieu pour moi. C'est pas moi seulement qui onction ou qui onction. C'est pas prophète là seulement qui onction ou qui onction. Parce que Dieu a fait de nous des vrais sacrificateurs. Devant quelle porte vous vous placez? Dans quelle porte vous placez? Comme est-ce que vous placez dans la porte de côté peuple Andréa ou bien placez de côté porte sacrificateur? Parce que bon Dieu fait de vous des sacrificateurs. C'est ça qui fait que vous pouvez intercéder. Alléluia. Pour vous, vous pouvez intercéder pour moi. Pendant intercéder pour moi, moi-même, je suis capable de guérir. Je ne dois pas guérir de guérison. Et puis, mon assemblée a compté de guérison. Alléluia. Parce que bon Dieu n'a pas compté son seul monde pour faire l'église à marcher. Il compte sur tout le monde. Alléluia. Pour faire l'église à marcher. Qui n'importe qu'on veut rester. Est-ce qu'on veut rester à côté de la porte où rentre le peuple ou bien les portes des sacrificateurs ou Sanhédrin? Le nom de cette porte en grec est Oraios. Oraios qui signifie arrive au moment opportun. Arrive dans bon moment, dans bonne occasion. Alléluia. Hier, on avait un moment béni dans le jeûne. Alléluia. Des moutes qui touchés par le Saint-Esprit pour la première fois. Alléluia. Des atmosphères de gloire qu'on besoin. Ouais. Ou pas qu'à ouel des fois dans le service dimanche matin. Mon besoin vient dans le jeûne pour capable. Ouais. Atmosphère de gloire, ça y est. Qui donc, cet homme arrive au moment opportun. Non pas seulement il arrive au moment opportun, en imaginant que cet homme attendait de l'argent. C'est quoi vos attentes? Qui attend tout leur service, bon Dieu? Qui attend tout leur place devant porte là? Qui attend tout? Est-ce qu'on attend ou qu'on attend des guérisons? Parce que l'offre n'est ou pas prêt au bralé. Est-ce qu'on attend une attente de mariage? Parce que l'offre n'est marié au bralé. Est-ce qu'on attend une attente de résidence? Parce que qu'on finit de résidence au bralé. Est-ce qu'on attend une attente de miracle? Parce que qu'on finit de miracle au bralé. Cet homme attendait de l'argent. Alléluia. Mais pourtant, la guérison passait à côté de lui chaque jour. Parce que c'est la première fois que Pierre et Jean tapent monté. Tout le temps, Pierre et Jean étaient toujours montés. Ils étaient toujours montés. Mais cet homme, il bat toujours là au moment opportun. Mais un jour, pendant que Pierre et Jean rentraient dans le temple, au moment de la prière, et cet homme attendait de la voir l'aumône, mais cependant, saisi par l'onction, par la puissance, ça fait me sentir, mes frères et sœurs. Sous l'église là, des fois les dimanches matins, oh, li pa kòd jom, ou du moins, ou pas senti gon, béni soit l'Éternel qui poussait, ou pas senti gon, alléluia, que t'es poussé, c'est parce que pas de gon, alléluia, que t'es poussé la caille là. Parce que s'il t'es poussé la caille là, m'a pas entré avec toute chaleur, alléluia. Pierre et Jean entraient au moment de la prière. Pierre et Jean partent rentrer en dans l'église là, en dans le temple là, alléluia, pour dire l'homme là, levé, marché, parce que miracle là, onction, c'est pas en dans l'église là, mais onction, miracle là, c'est en dans que lié, tout côté m'passe, passé avec elle, mais le travail là, ma velle, ma l'école là, ma velle, tout côté me voyager, ma avec onction. Ma velle, Pierre et Jean, marcher avec toute onction. Yo marche avec toute puissance, yo marche avec toute révélation. Qui donc sous besoin l'église a une atmosphère de gloire? Sorti la caillou avec puissance ou non? Sorti la caillou avec onction? Sorti la caillou avec onction? Sorti la caillou avec onction? Si c'est pas une veille pour copier, pour voler onction, monde. Si c'est pas une cherche onction, prophète. Si c'est pas une cherche onction, prophète. Amen. Vous êtes des sacrificateurs. Jean, sorti la Kali avec toute onction. Des fois, il y a des gens qui viennent à l'église, demandé, est-ce qu'il y a venu à l'église avec toute onction? Oui. Parce que les gens viennent à l'église, ils campent dans la porte là. Et puis, bonjour. Bonjour. Non, on dit bonjour, mon frère. Comment y est? Des fois, il y a des gens qui rentrent à l'église, disent bonjour. Je ne dis pas bonjour, pasteur, non? Bonjour. J'imagine que si moi-même, les gens disent bonjour, comme ça, je demande pour l'autre frère ici. Pour les gens qui disent bonjour, pasteur, comment y est?
Donc David dit comme ça que je suis dans. Je suis dans. Je suis dans. Je ne comprends pas ce qui est ou qui rentre avec tristesse. Ou qui rentre avec tristesse. Ou qui rentre avec quelque temps. Mais pardon, pas mon sourire. Mon Dieu a changé. Tristesse en allégresse. Criez gloire. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Pendant qu'on va rentrer avec tristesse. Et puis mon Dieu, alléluia. Le fait que ou pas mon bon sourire. Vous saluez avec quelque temps. Et puis mon Dieu a changé tristesse en joie. J'en rentre avec toute grâce. Avec toute onction, avec toute puissance. Qui s'est passé? Dis-y, non, je ne vais pas l'argent. Je ne vais l'argent pour me faire. Mais levez, camper. Levez, camper. Je ne sais pas qui s'est adapté. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je ne sais pas l'argent. Je ne sais pas combien l'argent déjà économisé. Je ne sais pas déjà combien l'argent économisé. Mais tout l'argent économisé, oh, pas qu'à rendre médecin guéril. Tout l'argent que l'économisé, oh, pas qu'à rendre médecin guéril. Tout travail, ou travail, oh, sous malade, médecin pas qu'à guérir. 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 Je ne sais pas combien de temps cet homme t'a économisé, économisé, économisé. Parce que ce n'est pas, c'était pas un petit enfant. Sinon, le texte allait mentionner c'était un enfant. Un homme. Un homme, ça veut dire que son homme, en l'âge, qui déjà passé l'âge de Jésus-Christ, qui a plus que 33 ans. Il n'a pas mentionné l'âge-là. Mais ce n'était pas un enfant. Ça veut dire que depuis le petit là, c'est depuis le petit là pour ramasser l'argent. Bon, qui saurait l'argent qu'a fait pour vous? Des fois, vous pas même les contribuables dans l'église. Qui saurait l'argent qu'a fait pour vous? Qui saurait l'argent qu'a fait pour vous? Whitney Houston, lui mourit pendant que le susu de tête lui. Michael Jackson, avec tout l'argent qu'il a gagné. Mais malgré le sang Jésus, alléluia. Mais le susu de tête lui. Plein d'autres artistes, plein d'autres vedettes qui sont millionnaires. Malgré tout l'argent qu'il a gagné, il a susu de tête. Bon, qui saurait l'argent qu'a fait pour vous? Mais qu'on sait l'homme qui est capable de guérir, l'Irélé, l'Éternel, 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 désormais. L'Irélé, l'Éternel, désormais. En début, tout économisé. En début, tout économie le fait. J'ai l'impression que c'est un homme qui sait bien calculer parce que ça fait depuis le petit la promesse de l'argent. Il sait bien c'est quoi gain annuel, est égal dépense annuelle plus économie annuelle. Il connaît ça bien. Parce que ça fait longtemps qu'il a économisé. Mais l'argent ne pouvait pas lui donner la guérison. Mais il va falloir qu'un homme, il va falloir qu'il y ait un Pierre, qu'il y ait un Jean. Et ça fait que, alléluia, des fois nous miser sous texte, côté que Pierre lui trahit Jésus. Pas miser sous texte, côté que Pierre lui trahit Jésus. Mais voir aussi un Pierre, un homme qui marche sur l'eau, que l'autre disciple ne peut pas jamais arriver faire. Ouais, un Pierre, un homme qui dit, alléluia, lève-toi, marche, je n'ai pas l'or et l'argent. Pas garder seulement sous des formes, 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 pas garder seulement sous des formes. Pas garder seulement sous des folles, mais ouais, grâce, mon Dieu, mettez dans l'IA. Parce que grâce, mon Dieu, mettez dans l'IA. Grâce, ça aussi, le capable de mettre grâce, pas aussi. Grâce à le capable d'aimanter grâce pour aussi. Parce qu'il m'a prié pour vous. Lorsque bon côté, si Saint-Esprit saisit pour me déposer mes sous, depuis le saisit, depuis ce lit saisit pour me déposer mes sous, au nom de Jésus qui vous a guéri. C'est la raison pour laquelle, pas minimiser, leur pas entrer dans le temple là, rentrer avec joie, leur on sait, leur on frère, c'est pour dire comment y est, comment semaine dit y est, ou pas entrer mes frères et soeurs, ou pas le plaider, même avocat, avocat, y'a qu'il y a des bonnes relations, même avocat, avocat, avocat sourit, mon apporte l'église, bonjour, c'est quoi bonjour? C'est pour dire bonjour mon frère, c'est pour dire bonjour ma soeur. Mon n'a pas qu'à prendre temps, et chante yo même les d'avis adoré, et pas courir, viens mettre à genoux. Non, parce que pas courir, viens mettre à genoux. Prédicateur, pas courir, viens mettre à genoux. Non, c'est pour saluer mon qui beaucoup tout là. D'abord, c'est pour saluer d'abord. Ou saluer avec grâce, ou saluer avec onction, ou saluer avec dimension, ou saluer avec révélation. Et c'est ça que Jean et Pierre fait. Jean dit, m'pagne là, avec l'argent pour m'barou, mais levé campé, marche. Être à la porte du temple, mes frères et sœurs. Cet homme n'était pas à l'intérieur. Donc cette porte a deux phases importantes. Écoutez ça bien. Deux phases importantes. Cet homme était à côté de la porte qu'on appelait la belle. Mais comme
il n'y a pas tant de temps là. C'est mieux quand même, il était bon côté pote sans idre, pote sacrificateur. Tant mieux. Parce que il pas tant de temps, bon pote côté peuple à rentrer. Il te mettait le bon pote sacrificateur. L'autre aspect que je t'aimais, que ou garder dans la porte là, c'est que cet homme passait tout ce temps là, il n'est pas jamais en train de temps là. Parce que la table n'a pas d'intéressé. C'est une question de l'argent. C'est une question de l'argent. Il juste resté beaucoup de potes là. Parce qu'il a besoin de monde. L'autre aspect, c'est que en dans l'église, là, va t'intéresser. Et les frères, lorsqu'on a côté potes là, je vais bien saisir. Pour ne pas dans confusion. Parce que moi, je préfère rester bon côté porte sacrificateur ou rentrer. Ça, c'est la première précision. Mais ce n'est pas la meilleure porte. Mais la meilleure porte là, c'est quand je suis à l'intérieur. Cet homme, pas de grand rien qui t'intéresse. Qui était bon côté porte là. Parce que c'était l'argent qui t'intéresse. Qui donc, mes frères et sœurs, être à la porte du temple, c'est d'être déconnecté de l'église de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes porte là, vous déconnectez de mon Dieu. Oui, Jésus est la porte. Je comprends bien là. Je ne parle pas pour la confusion là. Est-ce qu'on l'a même? Est-ce que l'église l'a même? Est-ce que l'église l'a même? Je ne parle pas pour la confusion. Ça veut dire que moi, je préfère rester mon côté porte sacrificateur. Mais objectivement, Dieu a fait de moi un sacrificateur. Je ne parle pas besoin seulement de porte pour sacrificateur. Mais même besoin de grandeur là. Côté grâce là, ya, même côté sacrificateur, yo, j'ai une grâce là, moi-même aussi besoin d'un. Ça veut dire que nous avons appelé le monde qui est dans l'église. Et juste la porte là. Yo. Yo déconnecté. Yo déconnecté. Yo déconnecté de grâce. Yo déconnecté de puissance. Yo déconnecté de la révélation. Yo déconnecté, déconnecté, déconnecté. Déconnecté, déconnecté, déconnecté. Cet homme était là très longtemps. Et pourtant, la guérison était là. La guérison passait à côté de lui chaque jour. La guérison habitait là où il était. Mais il n'arrivait pas à saisir sa guérison pendant que la guérison était la même. Donc, si cet homme aurait pu rentrer dans le temple, la main de Dieu pouvait le toucher. Et voilà la raison pour laquelle vous allez regarder dans le texte. Et dans ce texte que nous regardons, nous voyons que l'apôtre Pierre et Jean le saisissaient par la main droite. Ah, regardez avec moi qui ce texte l'a dit. Texte l'a dit que... Et le prenant, dans le verset 7, et le prenant par la main droite, et il le fit lever. Ça veut dire que la droite de l'Éternel, alléluia, la droite de l'Éternel est levée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est levée. La droite de l'Éternel est levée. Quelle droite, bon Dieu, levée pour Matthieu? Quelle droite, bon Dieu, levée pour Matthieu? Quelle droite, bon Dieu, levée pour Matthieu? Quelle droite, bon Dieu, levée de mariage? Que droite, bon Dieu, levé dans le finance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Mais gauche, pas de force, même jamais droite de force. Quand on parle de la main droite, ça veut dire que c'est Jésus-Christ en personne. La droite de l'Éternel. Pierre et Jean le prenaient par la main droite. Et écoutez, dans ça que tu as parlé là, c'est pas de Jésus-Christ que tu as parlé, oui, et dans la réunion des meubles là. Mais désolé, 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 on va laisser le Saint-Esprit agir. La droite de l'Éternel a manifesté en sa faveur. Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps, ou de côté porte là, ou dehors porte là, malgré chanter ou adorer, mais on a porte là. Bon Dieu, pas vouloir être devant porte là. Mais vous rentrez dedans. Vous êtes dans l'église là, mon Dieu, au pote là. Vous êtes dans l'église là, mon Dieu, au pote là. Vous êtes dans le travail pour mon Dieu, mais vous êtes au pote là.
ou de porte là, ou de porte là. Ou que doit travailler pour bon Dieu, ou pas adorer, ou chanter, ou jouer pour bon Dieu, mon Dieu porte là. Alléluia. Ou songer dans un moment donné, l'autre qu'on adore bon Dieu, l'autre qu'on travaille pour bon Dieu, comment l'autre qu'on a coulé dans les yeux, comment te qu'on vive l'adoration en profondeur, comment te qu'on vive grâce pour Dieu en profondeur. À un moment donné, ça fait longtemps ou a loué, ou a pas adoré, ou pas que l'âme qui sortit dans les yeux, ça fait longtemps ou a cherché bon Dieu. Et comme sous pas jamais senti ou atmosphère de gloire envahi, ça fait longtemps ou a cherché bon Dieu, ou pas jamais senti ou atmosphère de puissance. Bon Dieu, besoin pour entrer en dedans, en dedans, en dedans. Parce qu'on t'est déjà en dedans, déjà. Sous dehors, ou t'es déjà en dedans, déjà. Bon Dieu, voulez-vous entrer en dedans, porte là. Parce que mes frères et sœurs, lorsqu'on dehors, il y a trop de monde qui a passé, ou capable de distraire dans la grâce, ou capable de distraire dans la bénédiction, ou capable de distraire dans la révélation. Bon Dieu, besoin, ou en dedans, top là. Il y a besoin en dedans, top là. Tout ce qui nous empêche d'être réellement attentifs, réceptifs à l'action de Dieu, des fois, il rend nous boiter. Vous entendez ça? Tout ça qui empêchait que, ou attentif, tout ça qui empêchait que, ou attentif, tout ça qui empêchait que, ou servir bon Dieu à 100%, là, prenons cocobé. Là, prenons handicapé. Vous savez, cet homme, ça fait longtemps Pierre et Jean toujours passé là. Pierre et Jean étaient toujours en onction parce que Pierre marchait sous l'eau. Il était toujours en onction. Mais cependant, cet homme, il n'est pas dans le moment opportun. Parce qu'il nous dit que être à côté de la porte, ça veut dire être à un endroit au moment opportun. Ça fait longtemps. Cet homme était là. Mais la grâce, l'onction passait par côté de chaque jour. Mais elle n'arrivait pas à ses îles. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Il y a trop de monde qui a d'Israël. Et ça, d'Israël. L'argent. 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 C'est ça que d'Israël, l'argent. Le fait que l'argent d'Israël n'est pas qu'à saisir grâce. Qui donc, si à un moment donné, où est l'argent, à distraire, soit dans le travail, soit dans la finance, soit dans la façon pour contribuer pour mon Dieu, on met senti ou entravé parce qu'on a un démon qui a dominé dedans. Ah oui, oui, on a un démon qui a dominé. On a un démon qui a dominé parce que l'argent n'est pas pour oublier. C'est bon Dieu qui a l'argent. C'est bon Dieu que bon l'argent. L'argent, c'est pour bon Dieu qu'il y a. C'est ça la Bible dit. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Si l'or et l'argent lui appartiennent pour bon Dieu, mais pour qui ça pour le domino? Cet homme se laissait distraire par l'argent. Parce que c'est ton seul bagage qui t'intéressait. C'était, donne-moi, 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 donne-moi. Mais la surprise, c'est que Jésus n'a pas décidé de balayer l'argent. Il n'a pas décidé de balayer l'or. Mais il t'a décidé de guérir. Matin, bon Dieu, il veut décider de guérir au matin. Bon Dieu, pas décidé de boire l'argent. Ok, pour le moment. Là, boire l'argent parce que l'argent appartient à lui-même. Il connaît qu'il a besoin de l'argent. Donc, bon Dieu, il y a un peu de là, mais et pas ça, il décide de où. Je vais changer de prière. Changer de prière. Parce que tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout, mais tu es malheureux. Tu peux avoir de l'argent, tu es malheureux. Tu peux avoir une maison, une voiture. Tu peux avoir une belle maison. Une belle petite famille. Tu peux avoir un bon emploi. Mais tu es malheureux. Je vous le dis. Je le sais. Ce que je vous dis. Je le sais. Peut-être qu'il y en a nous là qui ont revenu aide sociale. 12 000 par année. Peut-être qu'il y en a nous là qui ont revenu 30 000, 40 000. Il y en a nous qui ont revenu 60 000, 50 000, 70 000. Mais je connais des gens qui ont des revenus 170 000 qui abdominent à la rue. Je connais des gens qui ont des revenus 70 000, 170 000, mais tête yon varié. Je connais des gens qui ont des revenus 170 000. Yon gagne non pas seulement 170 000, yon gagne des héritages. Drogue, fin avec yon. Alcool, fin avec yon. Maladie mentale, fin avec yon. L'argent ne peut pas tout combler. Cherchez mon Dieu, 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 cherchez mon Dieu pendant qu'il se... Pendant qu'il se trouve. Cherchez mon Dieu. Cet homme était distrait par l'argent, par le bien qu'on pouvait lui donner. Mais le Seigneur a décidé de faire un geste, de faire un geste particulier avec cet homme. Jésus décide de faire un geste. Les ballons cadeaux. Qui ça va attendre devant Dieu? Bon Dieu, le font un geste avant matin.
Si tu es malade, bon Dieu, il faut un geste avant matin. Si tu es malade matin, bon Dieu, il faut un geste avant matin. Si tu es malade, tu es handicapé physiquement, si tu as une maladie inguérissable, intraitable, incurable, bon Dieu, il faut un geste avant matin. Si tu as une douleur qui a ravagé, bon Dieu, il faut un geste avant matin. Si tu as une douleur qui a ravagé, bon Dieu, il faut un geste avant matin. Et par la foi, mets tes mains, alléluia, côté malade là. Par la foi, mets tes mains, côté malade là. Par la foi, mets tes mains, côté malade là. Par la foi, mets tes mains, côté malade là. Bon Dieu, il faut un geste avant matin. Un geste avant matin, livre les sorties, alléluia, dans finance, livre les sorties dans bien matériel matin, pour le faire un geste que l'argent pas qu'à faire, pour le faire un geste travail pas qu'à faire, pour le faire un geste famille pas qu'à faire, pour le faire un geste connaissance pas qu'à faire, pour le faire un geste médecin pas qu'à faire, bon Dieu, les faire un geste avant matin, livre les faire un geste avant matin, il veut te toucher ce matin, il veut te guérir ce matin. Bon Dieu, vous décidez de faire un geste avant matin. Et geste ça, ce n'est pas des bagailles qui posent de tous les jours. Apôtre Marc a déclaré, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais qui ont besoin de médecins. Mais les malades, ce sont les malades. Si vous êtes malade ce matin, Dieu peut vous guérir. Si vous êtes malade matin, bon Dieu est capable de guérir. Est-ce que vous voulez être guéri ce matin? Est-ce que vous voulez guérir matin? Est-ce que vous voulez guérir matin? Oh oui, il est là pour te toucher. Il est là pour le guérir au matin. La parole est déclarée. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et avec assurance, je peux dire, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Que la droite de l'Éternel se manifeste en votre faveur ce matin. Que la droite de l'Éternel manifeste en sa faveur ce matin. Moi déclaré au nom puissant de Jésus-Christ, même Jean homme boiteux de naissance là, t'es toujours bon côté pote là. Moi déclaré, alléluia, si cet homme n'est pas mouru kokobé, ou pas mouru kokobé matin. Aïe, 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 aïe. Si cet homme n'est pas mouru kokobé, ou pas mouru kokobé. Si cet homme n'est pas mouru handicapé, ou pas mouru handicapé. Gen moun ki dit pas gen droit jamais, même déclaré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ou a pio référence. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Si on pas quoi de où, si on pas quoi de où, vous déclarez ou a pio référence. Si cet homme boite de naissance, li pat mouri handicapé, li pat mouri kokobé, et me déclarer ou pas qu'à mourir dans la misère. Ou pas qu'à mourir dans la déception. Ou pas qu'à mourir dans l'humiliation. Ou pas qu'à mourir avec maladie. Parce que c'est bon Dieu qui guérit toute maladie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ou pas qu'on a avenir. Ou pas qu'on a projet. Apôtre Paul t'a pensé qu'il t'a mourir seul. Il n'a pas qu'on bon Dieu. Il n'a pas converti. Il pensait qu'il t'a mourir seul. Mais bon Dieu qui connaît destin, il fait mourir en Paul. Déclaré matin, ou pas mourir avec non qu'on gagne, ou pas mourir avec handicap qu'on gagne, ou pas mourir avec handicap qu'on gagne, ou pas mourir handicap qu'on gagne, ou pas mourir avec Tino qui au baroua, ou pas mourir avec Tino qui au baroua. Déjà en Haïti, pendant ma Haïti, je dis oh monsieur, c'est pas Tim Molière, non, c'est pas Tim Molière, alléluia, c'est nom bon Dieu retiré dans la boue, c'est nom bon Dieu retiré dans la poussière, c'est nom bon Dieu retiré dans la pauvreté, c'est nom bon Dieu retiré dans le monde. Qui bat qu'a fait confiance là, alléluia. Living the moon qu'a fait confiance. Vous avez le choix d'être à côté de la porte où rentrent tous les gens. Et vous avez le choix d'être à la porte où rentrent les sacrificateurs. C'est normal qu'il y ait des étapes, il faut qu'on traverse dans la vie. Mais l'essentiel, tu dois à l'intérieur même de la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il veut vous toucher ce matin. Levez vos mains. Il veut vous toucher ce matin. Il veut vous toucher ce matin. Dans la famille, dans le mariage, dans la vie de Simonio, des fois qui paraît incompris,
Livre toucher dans l'incompréhension de tes enfants. Livre toucher dans l'incompréhension, dans les incompréhensions, dans les déceptions de la vie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise sur votre vie ce matin, alléluia. Ou pas mourir, ou pas mourir, ou pas mourir, ou pas mourir, ou pas mourir handicapé, ou pas mourir handicapé, ou pas mourir handicapé. Alléluia. Oh, et touche. C'est la joie n'ayez en moi yon bagay te passe kounye a li touche d'un grand bonté. Oh, alléluia.
Alléluia. Ou allons jamais, ou allons jamais, ou allons jamais. Alléluia. Touché. Alléluia. Touché. Alléluia. Alléluia. Ou allons jamais. Touché. Sou malade vini. M pa promet ou guérison, même connais bon Dieu qu'on guérit. Alléluia. Connais bon Dieu qu'on guérit. Alléluia. Connais bon Dieu qu'on guérit. Connais bon Dieu qu'on guérit. Alléluia. Bon Dieu qu'on fon boule la vata. Bon Dieu qu'on fon boule la vata. Li kon fon boule la vata. Li kon fon boule la vata. Li kon ta disparaître tout masque en devant. Bon Dieu kon fè sa. Li kon fè sa. Li kon fè sa. Li kon guérit. Li kon touche. Li kon touche. Qu'on touche. Alléluia. Alléluia. Oh,
acclamer le Seigneur des Seigneurs. On nous crie gloire. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous sommes supposés qu'une réunion des membres. Nous sommes supposés prêcher pour 10 minutes. Ce n'est pas dans notre nature lorsque nous préparons. Nous faisons ça, nous préparons. Mais Saint-Esprit a un propre commande parle. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Saint-Esprit a un propre commande parle? Amen. Alléluia. Saint-Esprit a un propre commande parle. Il connaît ce que tu as dit. Certainement, on invite au dimanche. Vous êtes capable de présenter l'église là. Donc, nous avons tant d'adoration. Et nous va gagner une réunion des membres dimanche, si voulant. Nous gagnons un bien-aimé qui est là avec une servante. Vous pouvez dire nous qui est ce monde qui est invité. Oui, nous comptons. Vous pouvez avec ce nous qui est là. Nous mettons un petit campé. Alléluia. Qui est ce monde qui est invité nous? Le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Acclamez le roi de moi. Acclamez le roi de moi. Alléluia. Oui, non, pas où c'est vite moi. Philippe. Oui, oui. J'imagine que c'est madame parce que nous habillons même Jean. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, ma soeur. Yolande. C'est Viola. C'est Viola Blaise. Nous avons Christ déjà dans la vie. Nous. Amen. Amen. Nous sommes contents. Nous avons la présence de Dieu matin. Frère, moi, nous comptons. Ouais, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Serviteur, nous comptons au ouais, matin. Hein. Que bon Dieu est capable de visiter ou qu'il est capable de déposer grâce li, dans la vie. N'attendons. Alléluia. Connectez sous ligne dans mercredi. Nous avons une étude biblique sur plateforme Zoom. Hier samedi, nous avons une atmosphère de gloire ici. Vous pouvez vous gêner avec nous l'église là. Nous avons une atmosphère de gloire dans le jeûne samedi. Nous avons une atmosphère de gloire. On pas tant pile. Nous avons 8. Nous avons une atmosphère de gloire. Et Saint-Esprit est là. Il était touché. Mon. Saint-Esprit est là. Ça qui fait différence, c'est Saint-Esprit. Amen. Amen. Musicien mieux. Ma prier pour nous qu'on ait dans notre travail le samedi. Prier pour le Seigneur changer Bahio. On est pour nous gagner ben avec nous. Alléluia, on a prié pour ça. Saint-Esprit fait la différence. M'invitons sous pape travail. Jean-François Boutuzil, samedi prochain. Pas demain samedi, non, l'autre samedi. Venez. Ce n'est pas nous qui avons fait la différence, mais c'est Saint-Esprit. Amen. Amen. Recevoir la bénédiction. On nous campé. Alléluia. 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 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que grâce, bon Dieu, intelligence, sagesse, révélation divine qui dépasse toute intelligence que les hommes capables de gagner, capables d'émerger dans le cœur, non, pas seulement pour matin, pour midi, ça, mais jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Juste chita pour yon annonce une minute.